Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment jouer à Demon's Souls sur PC. Et donc, Demon's Souls, c'est un jeu PS3. Et donc, pour ça, on va installer un émulateur PS3 et la ROM de Demon's Souls. Alors, avant tout, je tiens à vous dire de faire très attention avec ça parce que il y a des jeux, beaucoup de personnes mal intentionnées qui savent très bien que les joueurs ils veulent jouer à Xbox, PlayStation 3, 4, 5 sur PC. Et il y a énormément de sites fake qui sont là juste pour se foutre de votre gueule, pour vous pirater. Par exemple, regardez, vous tapez PS4 émulateur. Regardez, oh, top 5 des meilleurs émulateurs PC, enfin des émulateurs PS4 sur Windows, le point sur l'émulateur PS4. On vend plein d'émulateurs, c'est tous des fakes. Il n'y a rien qui marche. Par exemple, pour la PS4, il n'y a pas d'émulateur PS4. Il y en a un sur Linux apparemment. Donc c'est Spine. Et justement sur le site de Spine, il te précise bien que faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'émulateur PS4. Que voilà, il y a Spine qui est en développement, mais le reste c'est full fake. Et c'est aussi un peu le cas pour l'émulateur PS3. Voilà, faut pas prendre des sites de. Aller sur des sites de merde et tout. Donc je vais vous montrer tous les liens en description et en direct sur ma page. Donc déjà je suis allé sur le site officiel de RPCS3. Donc sur Google vous tapez RPCS3, voilà, RPCS3.net, voilà, donc c'est là-bas. Et vous prenez la version Windows tout simplement. Voilà. Pour l'émulateur c'est fini, donc je vous mettrai les liens en description, vous inquiétez pas. Ça, c'est mon cours. J'examine tout à l'heure. Ensuite, concernant l'émulateur. Alors, vous avez récupéré un. Merde. Un point .tar.gz, là. Donc, il faudra installer 7-Zip pour pouvoir extraire les fichiers. Donc, 7-Zip, normalement, c'est connu, hein. Vous tapez 7-Zip download. Tous les liens, ils fonctionnent, hein. Voilà, téléchargement de 7-Zip, voilà. Et vous extrayez vos fichiers, vous mettez dans le bureau. Moi j'ai fait un dossier RPC3 ici. Voilà. Il est là. Et là c'est l'exécutable. On verra ça tout à l'heure quand on aura récupéré Bloodborne. Bloodborne. Merde. Demon's Souls. Donc pour Demon's Souls. Voilà, vous tapez Demon's Souls ROM. Alors, je ne l'ai pas précisé. Alors, je ne sais pas si ça existe en français. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pour récupérer les jeux en anglais. Alors, si, alors premièrement, l'anglais, c'est la langue internationale. Donc, bon, il va falloir apprendre l'anglais, les gars. De toute façon, le vocabulaire anglais des Souls, c'est quoi? C'est damage pour les dégâts, spell pour la magie. Increase, decrease pour augmenter, diminuer. Les weapons pour les armes, enfin ça demande pas un vocabulaire de malade, hein. Et si vous souhaitez malgré tout chercher une version française, faites attention sur les sites dans lesquels vous allez, hein. Sans déconner. Il y a beaucoup de sites fake. Voilà, moi je vous montre la version anglaise où je suis sûr que ça marche. Et donc il y a emuladorps3.com. Donc c'est ça. Et vous cliquez sur télécharger ROM entre parenthèses ISO, donc le gros bouton qu'il y a là. Et ça vous redirige sur un fichier, voilà, un fichier de 5 Go. Alors étrangement, ça m'a pris de toute la nuit à télécharger ça, donc le débit était tout pourri. Bon, vous téléchargez ça. Et maintenant, on va ouvrir PCS3. Alors attendez, c'est pas fini. Vous allez récupérer du coup Demon Souls USA.7Z. Donc pareil, il faut l'extraire. 7-Zip, extraire les fichiers. Pareil, dans bureau, j'ai fait un dossier ROM. Voilà, il y a Demon Souls, il est là. Je l'extrais ici. Donc d'ailleurs, je pourrais les supprimer en soi. Hein, Alors, donc voilà, là j'ai mes deux dossiers. Maintenant, on ouvre RPC3. Donc là, vous faites. J'ai lu le guild, machin. De façon personne ne le dit, hein. Et vous faites do not show again, parce que j'ai pas envie de revoir ce message. On continue.
Donc une nouvelle version disponible, je m'en bats les couilles. Et donc là, pour récupérer Demon's Souls, il faut aller dans File et Boot Game. Donc moi je vous ai dit, j'ai fait un dossier ROM. C'est pas encore Demon's Souls USA. C'est pas encore là. C'est pas encore là. C'est là. Quand il y a TROPDIR et USRDIR, vous faites sélectionner un dossier. Alors je fais pas parce que moi j'ai déjà fait, sinon je vais avoir un doublon. Voilà, sélectionnez un dossier à partir de là précisément. Hop, et vous allez avoir Demon's Souls. Maintenant, quand vous allez lancer ça, il va vous dire les jeux commerciaux ont besoin de PS3 update.pup file pour être installé. Du coup, vous allez devoir aller taper pour la version 4.188 parce que moi, est-ce que je l'ai mis? J'ai pas mis. Alors en gros, quand j'avais installé la version 4.8.4.8.1, il me dit non, ça marche pas, il faut la 4.8.8. Donc j'ai précisé 4.8.8 et je suis allé sur tousles drivers.com, donc le deuxième lien, enfin me concernant. Je vais vous mettre le lien en description encore une fois pour ce fichier-là. Et voilà, c'est ce site, tousles drivers.com. Vous descendez tout en bas, téléchargement, il y a une petite disquette. Ça vous cliquez là, voilà. Normalement, c'est censé. Voilà, ça vous ouvre cette petite page là. Le premier lien, il marche pas. Le deuxième, voilà, vous cliquez dessus, ça télécharge tout seul. Et ça vous télécharge le PS3 update 1.pup. Donc là, vous faites locate PS3 update.pup et vous allez le chercher dans votre téléchargement. Voilà, il est là-dedans. Alors quand vous allez chercher le fichier, faites attention si vous ne le voyez pas. Vérifiez bien que vous cherchez tous les fichiers. Je vais faire un truc dégueulasse. Là, vous avez votre page. Là, il vous dit qu'il cherche des fichiers là. Donc là, vous avez votre écran avec plein de fichiers. Là, il parcourt votre système de fichiers. Et ici, il y aura un petit truc. Il faut bien que ici, il y a écrit All Files. Pour qu'il cherche tous les fichiers. Voilà. Avec ici votre menu. Voilà, genre là, il y a images, téléchargement, bureau, vidéo. Voilà. Et ici, vous mettez bien All Files pour chercher tous les fichiers. Vous allez dans Téléchargement. Vous récupérez votre PS3 update.pup et va vous dire succès. Voilà, ça a été installé avec succès. Il va compiler, voilà, il va tout télécharger, progress file, machin. Et là, c'est prêt. Là, vous avez votre Demon's Souls, vous avez tout qui est installé. Maintenant, il faut paramétrer la manette. Alors, vous allez dans Pad, ici. Et vous devez retaper tous vos contrôles. Alors, je vous invite à ne pas jouer au clavier. Moi, j'ai une manette. Alors, j'ai du mal à la trouver. C'était dans MM Joystick. C'est ma manette qu'il y a là. Et du coup, voilà, je vous invite à refaire vos contrôles. Parce qu'il y a tout qui sera dans le désordre. Genre, mon start, c'était mon triangle. Mon carré, c'était le select. C'était n'importe quoi. Du coup, vous refaites bien tous vos contrôles. Donc, L2. L2, L1, L1, Select, Select. Voilà, vous refaites tout. Alors, j'ai déjà fait, hein, c'est bon. Mais voilà, il faut refaire tous vos contrôles. Vous faites sauvegarder. Et là, vous faites Play. Et il y a Demon's Souls qui charge. La première fois, quand il installe les modules, au tout début, vous avez vu là sur le Demon's Souls, c'est un petit peu lent. Je crois que c'est une spécificité des jeux PlayStation. Le son est super fort, je sais pas si pour vous il est fort ou quoi. On verra. Ils sont chiants à faire des exclus consoles hein, quand on n'est pas accès aux jeux sur PC.
Mais normalement, après Elden Ring, là, soit il va y avoir un remake de Bloodborne, soit de Demon's Souls sur PC. Normalement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, ça serait pas pour demain non plus, hein, ça serait genre l'année prochaine. Voilà, je regarde juste le... Ouais, le son est un peu fort. Voilà. Et voilà, bah là on a Demon's Souls. Voilà, enfenêtré. Je sais pas si on peut mettre plein écran. En vrai, je m'en bats les couilles, je joue de base enfenêtré moi, parce que j'aime bien. Vous savez, en plein écran, c'est un peu buggé quand on switch d'écran. Alors qu'en mode fenêtré, voilà, tu fais Alt Tab, tu switches d'écran comme tu veux. Et du coup, pour quitter, il vaut mieux, plutôt que de cliquer sur la croix, voilà, revenir sur l'écran là et faire stop. C'est plus. Il me semble que c'est la meilleure méthode à faire. Ça marche aussi de faire la croix, hein. Mais disons que c'est plus sain pour l'application de le fermer proprement, quoi. Après, je pense qu'il y a d'autres trucs à apprendre sur l'émulateur, mais bon. Voilà, start, new game. Par contre, même pour moi, le jeu est super fort, attendez, hein. Je vais finir sourd. Voilà. Donc là, il peut pas se connecter au serveur PlayStation, c'est normal, hein, on est sur émulateur. Donc vous attendez pas à faire de la coop. Et voilà, là on crée notre personnage. Et puis bah, le jeu va commencer, écoutez. Et encore une fois, ça va être en anglais. Mais normalement, voilà, il va falloir apprendre l'anglais à un moment. C'est la langue internationale, voilà. Vitalité, vitalité. Intelligence, intelligence. Endurance, endurance. Strength, c'est la force. Dexterity, c'est dextérité. Magic, c'est magie. Voilà, ça demande pas un bac plus 12 en anglais pour comprendre. Faith, c'est la foi, et luck, c'est la chance. Et puis bah... Voilà, là je vais quand même découvrir le jeu, hein, je peux vous faire tout en direct. Mais voilà, le jeu il marche. Alors regardez tout en haut à gauche, c'est mes FPS, je suis à 30 FPS. Ah, c'est au clavier comme ça. Oh putain, faut faire la manette. Donc voilà, je suis en 30 FPS. Il faut savoir que pour faire tourner un émulateur PS3, il faut un PC assez solide. Parce qu'il faut pas juste faire tourner l'émulateur. Il faut faire tourner l'émulateur qui lui fait tourner le jeu PlayStation. Et du coup, ça demande un PC avec une puissance assez conséquente. Donc voilà, si vous avez une 1080 Ti et que ça marche pas, c'est normal. Hein. Hunter. L'apparence. Merde, j'ai fait un homme. Voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse. Genre juste pour voir la fluidité du jeu. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, je vais vous faire un petit cut pour vous spoiler la cinématique. Mais regardez, ça a l'air fluide. Hein. On se retrouve tout de suite. Rebonjour. Alors j'ai bien fait de faire un test en direct parce qu'il y a eu un problème. Alors en fait, j'avais le jeu en écran noir. En fait, on voyait rien quand le jeu a commencé. Donc c'est-à-dire que quand j'avais le contrôle de mon personnage, le jeu était tout noir. En fait, dans vos paramètres, vous devez aller dans config, dans GPU, et vous devez ajouter Write Color Buffers. Donc en gros, genre, comment je le comprends, c'est que ça écrit les couleurs. voilà, vous devez activer ça et ça va corriger le bug de l'écran noir. Voilà. J'essaierai personnellement dans mon coin de monter la qualité. Là, je suis en 1280. Bon, j'ai un écran en 2K, on va essayer de monter après. Mais voilà. Là, j'ai mon Demon's Souls qui tourne, donc c'est plutôt fluide. Donc bon, on n'est pas non plus sur du Elden Ring, hein. Ok, ouais, c'est les mêmes contrôles, regardez. Ah, c'est bizarre, je fais des estocs vers le bas. Ah non, j'ai compris pourquoi. En fait, j'ai inversé mes touches. En fait, ça c'est mon coup chargé. Et mon coup normal, c'est dans la gâchette arrière. J'ai inversé mes touches. Ouais, mon bouclier, ouais. Donc j'ai inversé mes contrôles. Donc voilà, il faut faire quelques contrôles pour paramétrer ces touches. Voilà. Donc là, je fais stop. Je reviens dans les configs, alors, dans pad. Et j'inverse mes touches. Voilà. Voilà. Sauvegarder.
J'essaie de mettre les configs un peu plus hautes, 1980. Il doit être capable de faire tourner ça, mon PC. J'ai une RTX 3060. Donc là, il y a écrit tout en haut à gauche, voilà, 60 FPS. Bon, là, c'est l'écran de chargement, hein. Voilà, 10 FPS, 24, 30. Honnêtement, il vaut mieux avoir un jeu qui marche, qui est plus fluide, mais avec une résolution plus basse, qu'être en 18K, mais ramé, hein. Voilà, il faut faire quelques tests, voir les limites de notre PC. Et voilà, normalement, je vous ai tout dit. Alors, encore une fois, hein, si vous cherchez le jeu en français, ou que vous cherchez l'émulateur PS4, ou des trucs comme ça, faites très attention sur les sites sur lesquels vous allez. Il y a énormément d'arnaques. J'ai installé plein de saloperies, hein, avant de trouver les bons sites et tout. Hop. Et normalement, là, je vais avoir les bonnes touches. Franchement, il n'y a aucune différence avec du 1920p, hein, honnêtement. Je pense qu'à mon avis, voilà, là j'ai les bonnes touches. Je pense que la PS3, vu que c'est une vieille console, à l'époque ça n'existait même pas le concept de 1920p, enfin 1080p, enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, à mon avis, dans les paramètres, ça se paramètre même pas en fait. Regardez, mon Crescent Moongrass, il est pixelisé as fuck. Je vais me remettre en 720p, hein. Enfin, c'est la résolution de l'époque. Hop. En fait, ça m'a l'air plus flou en 1080p qu'en 720. Voilà, il y a les backstabs. Et bah voilà. Et bah écoutez, si vous avez des questions, des problèmes, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!